Bonjour Kevin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler d'Hérétique? Ouais, bonjour, je m'appelle Kevin Eshraghi, je suis l'instigateur d'une organisation qui s'appelle Hérétique, qui cherche à penser, créer et transmettre des numériques alternatifs. Et donc qu'est-ce qu'on entend par des numériques alternatifs? Des numériques qui sont différents du numérique actuel, qui est dominé par des acteurs américains de la Silicon Valley, et qui a un modèle assez problématique en termes environnementaux, en termes sociaux, en termes éthiques, et puis même aussi en termes créatifs. Et donc l'enjeu, c'est d'imaginer des numériques qui sont différents, qui sont plus proches de nos valeurs, de notre culture, de notre art de vivre, et qui soient culturellement français et européens, et pas seulement capitalistiques. Et donc on accompagne plein d'organisations, on enseigne dans les universités, et puis on accompagne des organisations publiques et privées, d'abord à comprendre ce qui fait le numérique actuel, comment est-ce qu'on pourrait le définir, ce qui est problématique avec, et puis à imaginer des numériques alternatifs qui leur ressemblent, qui soient plus en ligne avec, avec ce que je disais, leurs valeurs, leur culture, leur histoire, et puis aussi leurs aspirations, les modèles sociopolitiques auxquels ils croient, et tout ce genre de choses. Vous venez de finir votre atelier, du coup, est-ce que tu peux nous dire de quoi vous avez parlé? Alors, on a fait un atelier, le thème était est-ce qu'on peut faire un numérique pour prendre le temps plutôt que d'en gagner? Alors, c'est un sujet qui a été proposé par le WeShareFest, qui nous a demandé si ça nous intéressait de le traiter, notamment parce qu'on fait une application qui s'appelle Dérive, et qui est une application qui promeut la flânerie plutôt que l'optimisation de son temps de trajet, comme avec Google Maps, et donc c'est une application qui permet de prendre le temps plutôt que d'essayer d'en gagner. Et donc on a essayé de broder autour de Dérive et de créer un atelier qui permettrait d'analyser les outils actuels, de se demander en quoi est-ce qu'il y a des accélérateurs, des choses qui nous poussent à gagner du temps, qui nous poussent à accélérer, d'analyser les outils d'antan. Donc c'est un atelier qu'on appelle C'était mieux avant, ce qu'on appelle le design nostalgique. Donc regarder il y a 20 ans comment étaient les outils, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comment est-ce qu'on pouvait prendre le temps, et après d'essayer d'hybrider ces deux choses-là, de dire essayons de reproduire les mécanismes d'antan dans les technologies modernes et de voir comment je peux à l'intérieur d'un Facebook inclure des fonctionnalités qui me permettraient de ralentir, comment à l'intérieur de mon Spotify je peux intégrer des fonctionnalités qui me permettraient de découvrir un artiste plutôt que d'être en flux. Et donc on a travaillé avec une vingtaine de participants sur ce sujet-là. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer, est-ce qu'il y aurait un point saillant à retenir de cet atelier? Je pense que le point saillant qui a été retenu par tous, et nous en premier lieu, c'est à quel point cette question du temps dans le numérique est peu traitée. Pour préparer l'atelier, on a fait beaucoup de recherches et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment peu de matière, alors que c'est la quatrième dimension, c'est quelque chose de fondamental dans nos vies, dans la façon dont on organise nos vies, dont on vit nos vies, et c'est pourtant quelque chose de très très peu traité. On est toujours dans le numérique, dans cette volonté d'accélération, d'optimisation, et on a l'impression de ne pas être capable de se questionner, de ne pas prendre le temps, de se questionner sur la façon dont le temps est conçu, la façon dont ces applications orientent notre conception du temps. Et donc je pense que ce que tout le monde a retenu et ce que tout le monde devrait retenir, c'est à quel point c'est une question fondamentale, que c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on peut se poser, et qu'il est possible de faire différemment, qu'il n'y a pas de fatalité dans la façon dont le numérique est conçu, et qu'on peut imaginer des numériques qui soient plus en lien avec nos rythmes subjectifs, notre temps subjectif, plutôt que le rythme imposé d'accélération et d'optimisation. Et du coup, on voit bien le lien avec le thème du WeShareFest de cette année. Ouais. Moi, j'ai envie de te demander, quelle est toi, ta relation professionnelle, personnelle, autant et autant long? J'ai une relation très... beaucoup de souffrance, parce que je suis toujours, comme tout bon habitant du 21e siècle, dans une accélération permanente et dans un manque de temps, mais c'est quelque chose que je conscientise beaucoup et donc que j'analyse beaucoup et auquel j'ai du mal à remédier. Et donc c'est pour l'instant la posture que je suis en train de prendre, c'est une posture active, en train d'essayer de créer notamment des outils qui me permettent de m'aider à prendre le temps, et c'est ce qu'on a fait avec Dérive. Dérive, on est les premiers utilisateurs et les premiers gens ravis de l'avoir à disposition pour se dire je veux aller au resto avec ma copine, je peux prendre 20 minutes pour y aller, j'ai pas besoin de prendre 12 minutes comme me le dit Google. Donc voilà la posture que j'ai, c'est d'essayer de reprendre la main, mais en se rendant bien compte que c'est pas qu'une question de volonté et qu'il faut réussir à trouver des béquilles et des piquets qui permettent d'ancrer cette démarche et de m'aider dans cette démarche de réorganisation de mon temps, de reprise en main de mon temps, et de réussir à créer les conditions de vie qui suivent mon temps subjectif.
Et toi, chez Heretic, vous avez l'habitude de travailler avec des entreprises. Ouais. Est-ce que tu penses que le modèle des entreprises est compatible ou pas avec ces réflexions, cette projection sur le temps long? Ouais, je pense que c'est sans aucun doute que ça leur demande. Et c'est pour ça que nous on s'appelle Heretic, parce qu'on dit qu'on est face à un dogme. Que c'est quelque chose, donc dans le cas du numérique, mais de façon même plus générale, mais dans le cas du numérique, on est face à un dogme, certaines façons de penser le numérique, notamment d'un point de vue temporel, dont on voit les résultats catastrophiques et problématiques, mais dont on n'arrive quand même pas à se détacher. Et donc ça demande cette prise de recul, cette hérésie qu'on essaie de pratiquer. Et donc je pense que c'est difficile pour les entreprises aujourd'hui de se décoller, de se dire « Ok, bah, ça fait 20 ans qu'on essaie de copier des gens, mais en fait ça marche pas, ça nous plaît pas, c'est pas ce qu'on veut de faire. » Mais qu'une fois qu'elles ont réussi à prendre ce recul et à réaliser que le modèle qu'elles avaient pris n'était pas le bon, elles s'ouvrent un champ de réflexion, un champ de création, notamment sur cette question du temps long qui est extraordinaire, et dans lesquelles elles peuvent investir leur énergie, leurs envies, leurs ambitions, leurs aspirations et aussi leur histoire. Et est-ce que, Kevin, il y a un mot, un message que tu aimerais faire passer aux participants de WeShareFest? Bravo d'être ici, bravo d'avoir pris le temps de vous poser cette question. Merci à ceux qui ont pu participer aussi à l'atelier, merci à l'organisation du WeShareFest d'avoir organisé un cocon comme ça. On a perdu la notion du temps, hier moi j'avais perdu la notion du temps, il était 17h30, je croyais qu'il était 18h30. Et le message, c'est continuons ces réflexions. Effectivement, pendant 3 jours, c'est un espace consacré à ça, mais c'est des réflexions qu'on doit avoir en permanence, et notamment dans nos pratiques, et pas seulement dans notre posture de consommateur et d'habitant, mais aussi dans notre posture de créateur, c'est-à-dire mettre cette réflexion au cœur de nos activités, de nos productions, pour essayer d'imaginer d'autres rapports au temps et d'offrir ces autres rapports au temps aux autres. Merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir, merci à vous.